invite le 16 juillet 2021 à elle, émission Canal à Maison sur France 2, Nicolas Bedos a fondu en larmes en découvrant des photos de son illustre père Guy Bedos. Son père est mort en mai 2020, mais il continue d'avoir un très grand impact sur la vie de Nicolas Bedos. On en a eu la preuve une fois de plus sur le plateau de France 2. Cannes à la maison alors que ILS a prêté à clore la 74e édition du Festival de Cannes avec la présentation de son film Alerte rouge en Afrique noire, troisième volet de OSS 117, Nicolas Bedos, le 17 juillet 2021 au Festival Se Cannes. Source. Getty Images. Face à Anne-Elisabeth qui assurait la présentation, le réalisateur et scénariste a eu la surprise de découvrir des photos du début de carrière de son illustre père, Guy Bedos. Les images de son père au début de cette séquence photo, il a plaisanté en demandant « C'est le moment où je chiale à la télévision ?» Il ne savait pas ce qui lui était réservé. La production a donc montré des images du début de carrière de Guy Bedos. Le réalisateur Nicolas Bedos. Source. Getty Images. On a pu le voir encore jeune, jouer dans un sketch Nom Festival. Il y incarne un comédien qui affectionne la lecture et surtout les romans de OSS 117. Il faut savoir que les films portés par Jean Dujardin sont pour la plupart adapte des romans d'espionnage écrits par elle, écrivain Jean Bruce en août 1949. Un moment émotif, ces images ont complètement bouleversé. C'est incroyable. C'est déroutant. Ému, il a assuré avoir jamais vu ces images de son père. Il a tout de suite couvert d'éloges. Hélène hésite d'ailleurs pas à lui rendre hommage dès qu'une occasion se présente. Et dire tout elle, amour qu'il lui porte. Guy Bedos. Sa petite fille Zelda, son portrait crash Guy Bedos a quitté ce monde en mai 2020. Elle laisse une famille riche de plusieurs artistes qui continuent de perpétuer son droit d'auteur œuvre. Le 4 novembre 2019, sa fille, Victoria, donnait naissance à la petite Zelda. Cette dernière a pris beaucoup de traits physiques de son illustre grand-père. Vous la présentons.